Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Welaji pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Que le Seigneur pardonne ses péchés, lui montre sa miséricorde et lui accorde la paix dans sa maison. Nous prions aussi pour la famille Yemmo, pour le mariage de Roussel. Nous prions aussi pour les jeunes qui nous présentent, qui nous confient leur projet de vie. François, Carissa, Oski, Franck, Brice, Cyril, Goldwyn, Martial et tous les autres jeunes qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 28, versets 10 à 22a. En ces jours-là, Jacob partit de Beth-Séba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il avait passé la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sur sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Les descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord
et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te mènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, dont je suis sûr. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu, dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, dont je suis sûr. Alléluia, alléluia. Alléluia, peu que ciel les ennemis, nous sommes Alléluia, 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 peu que ciel les ennemis, nous sommes Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Père le ciel les aimés, donc contemplé. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et de foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva.
et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour, bonjour. La foi est fondamentale. C'est la foi qui nous sauve. Si vous voulez que Dieu fasse des miracles pour vous, il faut d'abord croire qu'il peut le faire. Croire, c'est déjà avoir ce dont on espère. Souvent, nous demandons à Dieu et nous ne recevons rien parce que nous demandons avec un cœur partagé. Nous demandons sans foi. Nous demandons avec hésitation. Si tu demandes avec foi, alors Dieu va te donner. Il y a plusieurs exemples dans l'évangile de ce jour qui nous édifient. D'abord, l'exemple de ce notable qui vient vers Jésus. Il vient vers Jésus parce qu'il sait que Jésus est capable de faire quelque chose pour lui. Il a confiance totale en Jésus. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Il est convaincu que même si sa fille meurt, Jésus est capable de lui redonner la vie. Voilà la foi. Avoir la foi, c'est savoir que, avec conviction, croire avec conviction, que rien n'est impossible à Jésus. Il peut donner la vie même à une personne qui est morte. Le deuxième exemple qui nous est donné aujourd'hui est celui de la femme qui souffre d'hémorragie depuis plus de 12 ans. Elle se dit en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Elle va vers Jésus avec foi, avec conviction que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera sauvée. Chers frères et sœurs en Christ, rappelons-nous que cette femme n'est pas la seule. Il y avait toute une foule qui écrasait Jésus, qui entourait Jésus. Et tout le monde se frottait à lui. Tout le monde touchait, pour ainsi dire, Jésus. Mais de quelle manière alors? Pour toucher Jésus et avoir un effet positif, il faut le toucher avec foi. Tu touches Jésus avec foi, il va agir pour toi. Cette femme a touché Jésus avec foi et une force est sortie de Jésus pour la guérir. Chers frères et sœurs en Christ, en suivant les deux exemples, celui du notable et celui de la femme, alors nous n'allons pas perdre en nous abandonnant à Jésus, en ayant foi en Jésus. Il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Allons à Jésus, non pas pour le mettre à l'épreuve. Il n'est pas un homme ordinaire, il est un homme Dieu. Quand les joueurs de flûte se moquent de lui, quand il a affirmé, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Les gens se sont moqués de lui. Que celui-là, c'est un coquille. Quelqu'un est mort et il dit qu'il dort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui, là. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. S'ils avaient su un seul instant que Jésus était Dieu,
ils n'auraient pas eu ce genre de réflexion. Mais alors, Jésus va leur montrer qu'il est Dieu. Et il ressuscita la jeune fille. Il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. C'est ça le témoignage. La nouvelle se répandit dans toute la région pour faire connaître Jésus comme Dieu, comme le Sauveur. Chers frères et sœurs, Christ, Jésus est notre Sauveur. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Jésus nous sauve quand nous acceptons qu'il nous sauve. Nous acceptons qu'il nous sauve en ayant foi en lui. Quand il se révèle, quand il se fait découvrir, et lorsque nous l'avons découvert, accrochons-nous à lui. Laissons-le nous conduire, suivant sa parole. Abandonnons-nous à lui. Disons-nous comme la femme qui souffrait d'hémorragie. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus nous encourage dans cet élan de foi. Ceux qui sont sur le chemin de foi, qui ont déjà embrassé la foi, ne vous laissez jamais détourner de ce chemin. Parce que si vous perdez votre foi, vous avez tout perdu. Jésus nous encourage quand il nous dit confiance. Confiance, il a dit à la femme. Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'instant même, la femme fut sauvée. Jésus te dit toi aussi, à travers cette femme, confiance, aie seulement la foi et tu seras sauvé. C'est l'essentiel. Quand on a la foi, on prie Jésus. Quand on a la foi, on témoigne de Jésus en professant sa foi. Quand on a la foi, on vit les sacrements. Quand on a la foi, on fait la volonté de Jésus. Que le Seigneur augmente notre foi et nous donne la force de la vivre à chaque instant de notre vie pour être sauvés. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici Seigneur le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre soif, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie,
accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. C'est donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur et selon son commandement, disons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère. Qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie
éternel. C'est la foi qui nous fait reconnaître être par ce pain et ce vin consacré. La présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le pain et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui espère en lui. Achevons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est abafoussable ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumoulin, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Pour nous un rempart et un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint.